J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on déballe la dégustation du mois de janvier. Donc le thème c'était caramel, donc c'est box hivernale. Mais tu montres. Mais non, mais je montre le thème. Allez Luna, premier produit, on commence. Allez, attends, c'est bon. On est toujours contente de déballer la dégustation. Ouais. Oula, alors, il y a un énorme truc déjà. C'est des nouilles. Alors, c'est des nouilles chinoises apparemment, mais c'est en XL quoi, c'est familial quoi. Des nouilles. Tu sais, c'est des nouilles chinoises. Tu mets de l'eau, instant noodle. Alors, Monsieur Mime, 2,20€. Monsieur Mime vous propose de découvrir son délicieux ramen cup. Ouais, c'est des nouilles. 3 minutes. Mais en fait, et c'est piquant celui-là. Bœuf. Poulet bœuf ou piquant? Non, non, les bœufs, ça va. C'est piquant. Mais franchement, le format. Alors, normalement, ces petits trucs, c'est tout petit, mais là, c'est le format XL. Monsieur Mime, je connais pas cette marque. On testera. Ensuite, on a. Les arbres du pain. Donc, il y a des petites baguettes à la française. Il est mangé, là, le truc. Les recettes de Céliane. Donc, les recettes de Céliane, ça coûte 3,65€. Ah, parce que c'est sans gluten, donc c'est un produit sans gluten. D'accord. Donc ça coûte 3,65€ quand même, mais c'est sans gluten. Miam. Ouais, bon, on fera un petit pain. Ensuite, on a un petit paquet de Weather Original. C'est 1,85€. Sans sucre. Ah, c'est vraiment light la truc, sans gluten, sans sucre. Je suis pas fan des Weather Original. Hein. Je suis pas fan de ces petits bonbons, mais bon, ça se met dans le sac, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, Luna, qu'est-ce qu'on a? Je crois que je nous ai envoyé la box sans alcool. C'est beau, genre. Vas-y. La pâte de Queen. Elle tirotée, la pâte de Queen. Ah, c'est de la vraie pâte de Queen, oui. Elle tirotée. Ça vaut 40 centimes. La pâte de Queen de toute une vie. Ouais, je sais pas si je suis fan de ça. On testera. Ensuite, on a du chocolat. Oh, mais il est noir. Ah non. Il a l'air bon. C'est un Côte d'Or. Là, il est noir. Oui, mais bon, je donnerai, c'est pas grave. Bon, on n'aime pas le chocolat noir, on mange pas de chocolat noir. Donc, Côte d'Or, 3,29€ quand même. Putain, oui, parce qu'il a l'air épais. Hein. Donc, ça, c'est une marque qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Je sais pas. Nouveau, fois deux barres. En fait, c'est en forme de barre. Noisette grillée et amande. Ouais, bon, on a aimé le soit au lait. C'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout ce que j'ai. Une boisson, alors c'est tout transparent. À l'Aloe Dream for Life, 1,90€. Une boisson rafraîchissante à base de pulpe fraîche d'aloe vera. Ah, ça peut. J'ai jamais goûté ça. Vous êtes. Quand je. Franchement, il y a des trucs qu'on connaît pas. Donc, ça, c'est de l'aloe vera. Mais l'aloe vera, c'est dans les gels douches. Ouais. Ou dans les crèmes, non? Je savais pas si ça se mangeait. Bon, là, c'est de la boisson à l'aloe vera. On verra. Ensuite, une autre boisson, miel et sarrasin, boisson plaisir au soja. Ça aussi, c'est au soja, quoi. Si t'aimes pas, t'as 1 litre, quoi. Donc, ça coûte 2,90€. Une délicieuse boisson onctueuse et riche en protéines végétales. Marianne peut bien faire une infusion de soja à la douceur du miel et au goût unique du sarrasin. Je suis pas sûre de vouloir le goûter. Chocolat. Oh, c'est du cacolac. Oh, c'est génial. C'est du cacolac mais en caramel. Donc 1€ x 2. Cacolac au caramel, c'est génial. Ça, c'est bon le cacolac. Cacolac au caramel, ça donne bon. Enfin. Le thème, c'était. Ouais. L'indice en fait c'était caramel, mais il n'y a pas grand chose au caramel dedans. Yeah. Si, il y a les oiseaux originales. Mais là, cacolac au caramel, il y en a deux, non? Je sais pas là, je vais les déballer. Ah non, ça va, ça va. Il y en a deux comme ça. L'autre? Ah oui, ça. Non, mais ça c'est facile à déballer, je vais déballer. Ouais, bah, cacolac, ça c'est pas mal, franchement, au caramel. Ça c'est bon le soir en général, comme ça. Bon, ça c'est la même, hein. Ça c'est la même. Ensuite. Une autre truc, ça doit être la sauce Gotan Asia Natural à 2,99€. C'est une sauce de quoi ça?
C'est une sauce pour wok. Soja sésame. Il y a plein de choses au soja, si on n'aime pas. Non. Soja sésame. Mais si, c'est bon, ça, c'est une sauce. On peut la mettre, je sais pas, avec du poulet ou avec, avec des pâtes. Ou si, c'est pas mal ça. Ça change un petit peu. Donc, c'est une sauce soja Asian Natura, donc 2,99€. Pour le wok, mais bon, moi j'ai pas de wok, mais ça peut servir doux. Allez, et ensuite, c'est le dernier produit, on a. Ouh, c'est lourd. Ce sont des pâtes lasagne. Ah, c'est pour faire les lasagnes. Donc, ce sont des lustres crus 1,59€, façonnés en moule bronze, les feuilles de lasagne, comme un chef, une texture. C'est Thierry Max qu'ils avaient. Donc, c'est pour faire les lasagnes. Moi, je fais les lasagnes moi-même, mais on testera, sincèrement, c'est pas mal. Voilà, et bien franchement, en plus ils m'ont envoyé la boxe sans alcool, donc je suis super contente parce que la dernière fois j'avais reçu l'alcool. Et là, franchement, il y a tout qui me plaît, que des trucs qu'on connaît pas. Bon, il y a beaucoup de trucs genre sans gluten, soja, tout ça, faut aimer quoi. Mais voilà, bon, ça me plaît, ça fait goûter autre chose en fait. Bon, à part le chocolat qu'on mangera pas. Mais voilà, je suis super contente de cette box. On va continuer avec les Gusta Box. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Donc, au revoir, Luna. Au revoir. Ah oui, je mets mon lien pour vous abonner à des Gusta Box si vous voulez. Donc, vous avez moins 5€ en cliquant sur mon lien. Si vous...